Les implants sur lesquels je travaille vont aider, soit directement, soit indirectement, la vie des patients. Les modèles de valves que je crée peuvent être utiles directement aux médecins pour qu'ils puissent comprendre un petit peu mieux le fonctionnement de la valve d'un patient. Mais il permet aussi d'optimiser des tailles d'implants, ce qui directement aide les patients. Au-delà de l'aspect médical et de l'intérêt humain qu'on me recherche, ça nous permet en interne à Ségula de développer pas mal de compétences sur la simulation biomédicale. Un deuxième point qui est quand même intéressant, c'est que les méthodes et algorithmes que je développe, notamment en multiphysique, sont transposables à d'autres domaines comme l'automobile. On a beau connaître les lois, les méthodes numériques et les algorithmes qu'on utilise, il y a toujours quelque chose d'un peu d'intrigant et on a toujours une certaine fierté lorsqu'on découvre les résultats de notre modèle. Cette sensation, cette découverte, c'est quelque chose dont on ne se lasse pas.